tous. Bonjour. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bon, on est heureux de pouvoir se réunir ce matin. On est heureux de pouvoir ensemble louer notre Dieu et l'adorer. On va le faire avec des chants, on va le faire avec de la joie, même si peut-être parfois la vie ne nous aide pas pour être dans la joie, mais on a un grand Dieu en qui on espère, sur qui on se fonde et qui, lui, peut nous remplir de cette joie qui n'est pas abîmée par la vie, ou en tout cas qui ne se laisse pas abîmer par la vie. Et on va commencer avec ce chant qui dit « Chantons, car Dieu est là ». On ne chante pas simplement parce qu'on aimerait chanter, mais vraiment parce qu'on sait que Jésus demeure au milieu de nous. On sait qu'il siège, au milieu des louanges de son peuple. Alors que nous puissions le louer pour qu'il siège, qu'il trône, qu'il ait la première place et qu'il fasse ce qu'il veut. Amen. Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange, chantons le roi. Nous chantons parce que Dieu est là, nous chantons le beau nom de Jésus. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Amen. Ce nom qui n'est comparable à aucun autre. Ce nom qui surpasse, qui dépasse, qui est au-dessus de nous, mais qui est aussi avec nous. Jésus est en nous. Alléluia. Et nous pouvons vraiment lui dire, eh bien Seigneur, nous t'aimons, tu es merveilleux et tu as fait de nous tes enfants. C'est glorieux. Alors ce matin, qu'on puisse dire dans les cieux, sur la terre, dans tout ce monde, il n'y a aucun autre nom qui soit plus grand, plus beau, plus doux que le nom de Jésus. Dans les cieux et sur la terre. Pour nous.
Le nom de Jésus est merveilleux. Et nous voulons encore dire, eh bien, au Jésus, mon Sauveur, nul n'est comparable à toi, mais je veux encore, eh bien, venir te dire que je t'aime, te dire que je t'aime parce que tu m'as aimé le premier aussi. C'est vraiment lui qui est venu à nous et nous nous sommes approchés de lui, il nous a accueillis. Et jusqu'à ce jour, et je pense qu'il y a des personnes ici, bien plus que moi, qui pourront le dire, il a été fidèle, il a été bon, il a été patient. Et il l'est encore. Et nous voulons lui dire, eh bien, Jésus, mon Sauveur, je t'aime. Et vraiment, nul n'est comparable à toi, mais je veux dire combien tu es merveilleux. Et je veux chanter, je veux le dire avec mes propres mots. Alors, on va chanter ce chant ensemble. Et ensuite, que les uns et les autres, on puisse le louer avec nos voix, nos bouches, nos mots, dans la simplicité, la vérité de nos cœurs, qu'on puisse lui dire tout ce qui bouillonne dans nos cœurs pour lui, pour qui il est. Amen. Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge.
encore une fois, tous ensemble, chante au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres. Je vois tes œuvres. Notre Dieu, nous sommes tellement honorés de ta présence, tellement honorés de pouvoir te connaître, tellement honorés de pouvoir t'appeler par ton nom, tellement honorés de pouvoir nous approcher de toi en toute liberté. Merci Seigneur pour le salut. Merci d'avoir sauvé mon âme, d'avoir sauvé nos vies. Nous sommes ici rassemblés pour te dire combien nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu es fidèle, patient, bon, parce que tu es l'alpha, l'oméga, parce que tu es le prince de la vie, le prince de la paix, parce que nul n'est comparable à toi, parce que tu nous as laissé ta parole, ton Esprit Saint. Tu es celui qui prend soin de chacun de nous dans les moindres détails de nos vies. Nous pouvons tout te confier, tout te laisser. Nous pouvons nous reposer sur toi avec une grande assurance. Ah, merci Seigneur pour qui tu es. Gloire à ton merveilleux nom. Alléluia. Alléluia Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oui, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans. Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, et la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Le nom de Jésus-Christ.
ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen, alléluia. On laisse la place à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est toujours une joie de nous retrouver pour bénir, louer, célébrer le Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur. Ce matin, je voudrais vous partager une pensée à partir d'un texte du livre de Josué. Cette pensée est celle-ci. Donne-moi cette montagne. Si cette parole pouvait rester gravée dans notre cœur, eh bien, je pense que ce serait une grande victoire pour chacun de nous. Donne-moi cette montagne. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le livre de Josué, au chapitre 14, versets 11 à 15. Nous saluons nos amis visiteurs aussi. Hein. Voilà, si vous êtes ici présents pour la première fois, on vous bénit, on vous accueille. Et puis, pour nos amis internautes aussi, on vous bénit au nom de Jésus. Amen. Josué 14, versets 11 à 15. C'est une parole de Caleb. « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je n'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphunné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphunné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Nous sommes ici dans le contexte de la conquête et du partage du territoire de Canaan entre les tribus d'Israël sous l'égide de Josué. Et il y a un homme qui se démarque particulièrement, un homme âgé de 85 ans, Caleb, qui veut jouir de son héritage et qui veut s'emparer des promesses que l'Éternel a faites au peuple. Caleb a servi l'Éternel auprès de Moïse, auprès de Josué, et donc après de bons et loyaux services, il se dit « Maintenant, je peux jouir, moi aussi, de mon héritage. » Alors ses yeux se sont portés sur une ville, la ville d'Hébron, qui se situait sur une montagne. Et cette ville était une ville fortifiée. Il faut s'imaginer les hautes murailles dont celle-ci était entourée, une muraille telle que, finalement, personne ne pouvait avoir l'idée de s'en emparer, tellement elles étaient hautes et semblaient infranchissables. Mais il n'y avait pas que les murailles comme obstacle, puisque la forteresse d'Hébron était aussi défendue par des soldats, des vaillants soldats, des gens d'une taille gigantesque, les Anakim, les géants. Vous savez que Goliath avait à peu près 3,20 m de haut. Et donc, sur les forteresses, il y avait des géants, des soldats de grands gabarits, de remarquables guerriers. Et ce sont ces fameux géants qui ont terrorisé d'ailleurs les 10 espions 40 ans plus tôt, qui avaient été envoyés par Moïse sur le territoire de Canaan aux côtés de Caleb et de Josué. Maintenant, deux remarques s'imposent concernant la demande qu'a faite Caleb à Josué de s'emparer de cette montagne où se trouvait Hébron. La première remarque est celle-ci. La foi de Caleb était une foi déterminée. Et ce n'est pas le temps qui avait altéré quoi que ce soit. À 85 ans,
la foi de Caleb était toujours aussi énergique, toujours aussi zélée, toujours aussi vaillante. Donne-moi cette montagne. Caleb voulait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'emparer des promesses de l'Éternel et jouir de son héritage. Malgré les 40 années exténuantes passées dans le désert, malgré tous les combats qu'il a menés au nom de l'Éternel contre les nombreux ennemis, Caleb n'avait pas perdu sa détermination du départ. Après tout, il aurait pu se contenter d'une plaine relativement paisible où il se serait installé avec les siens, mais non, pas question de laisser Hébron entre les mains des ennemis de l'Éternel. Même si Hébron était l'un des endroits les plus difficiles à conquérir, eh bien, aucun défi à 85 ans n'arrêtait Caleb. Et Caleb relève ce défi, alléluia, et finalement, il fait un nouvel acte de foi. Et la foi qui animait Caleb est celle qui rend capable de s'emparer des montagnes. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand le diable, d'une manière ou d'une autre, parvient à nous voler ce type de foi, c'est une grande victoire pour lui. Nous n'ignorons pas les desseins d'adversaire. Non seulement il veut conduire le peuple de Dieu dans toutes sortes de travers, non seulement il veut conduire le peuple de Dieu dans la mondanité, dans le péché, mais il veut aussi affecter, détruire la foi du peuple de l'Éternel. Il rôde, il est à l'affût, voulant affaiblir la foi de chacun d'entre nous, voulant nous pousser au relâchement dans le combat, puisque peut-être que rien ne vient alors que nous avons prié, intercédé, jeûné. Nous avons voulu nous emparer des promesses et finalement, pour le moment, rien ne s'est concrétisé. Alors, peut-être que nous finissons quelque peu par céder, effectivement, et abandonner le combat. On peut avoir bien commencé. Et puis, avec le temps, avec les déceptions, car il y en a, avec les coups durs, avec les épreuves de la vie, il y a comme une forme d'usure qui s'installe. Mais voyez-vous, la foi de Caleb était toujours intacte. Malgré les luttes, malgré les combats, malgré les déceptions, sa foi était toujours vivante, aussi audacieuse et aussi hardie qu'au départ, à tel point qu'à 85 ans, voulant son héritage, il dit à Josué, « Donne-moi cette montagne. » La foi déterminée, la foi persévérante de Caleb était contagieuse. Vous vous trouvez auprès de personnes pleines d'incrédulité, des personnes à l'image des 10 espions qui voient que les choses négatives, qui voient que les inconvénients, ça finit par vous contaminer. Vous vous trouvez auprès de Josué et de Caleb, animés d'un autre esprit, et voilà que quelque chose se passe en vous. Votre foi se fortifie. Alléluia. Puissions-nous, frères et sœurs, amis, être animés de la foi de Caleb. Alors cette foi était contagieuse à tel point même que sa fille Aksa l'a imitée. Elle était de la même trempe que son père, voyez-vous, à tel point qu'elle demande à son père une terre. Cette terre lui est octroyée, c'était une terre du Midi, une terre aride, mais elle ne se contente pas de cette terre aride. Aussi va-t-elle retrouver son père Caleb et elle va lui dire « Donne-moi aussi les sources d'eau ». Elle est déterminée. Voyez-vous, cette femme-là, animée de la même foi que son père, ne veut pas que des miettes. Mais elle veut vraiment la pleine bénédiction. Elle ne veut pas que quelques petites choses, parce qu'elle sait que le Dieu de son père, le Dieu d'Israël, le Dieu de Josué, est un grand Dieu. Alléluia. Et il n'a pas payé le prix sur la croix pour nous donner des miettes. Alléluia. Mais il veut nous conduire dans la bénédiction. Il veut que nous nous emparions les uns et les autres des promesses qu'il nous a faites. Et cette femme a été exaucée, à tel point que son papa va lui donner les sources supérieures et les sources inférieures. Donne-moi cette montagne. C'est la parole de Caleb. Donne-moi les sources d'eau. Ce sont les paroles d'Aksa.
Alors faisons déjà un temps d'arrêt. Et posons-nous la question, chacun pour notre part. Où en est notre foi ? Sommes-nous entrés dans l'héritage que le Seigneur nous a promis ? Jésus ne dit-il pas aux disciples apeurés par la tempête, « Où est votre foi ? » N'ajoute-t-il pas « gens de peu de foi ?» Parlant de la génération incrédule influencée par le rapport négatif des 10 espions, Dieu dit dans le livre des Nombres, chapitre 14, « Aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis à leurs ancêtres. » Le verdict, la sentence est lourde en raison de l'incrédulité du peuple. Et Dieu dit « Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera, mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, c'est-à-dire la foi, je le ferai entrer, dit Dieu, dans le pays où il est allé. » Malheureusement, la foi contagieuse de Caleb et d'Aksa, au fil des générations, a fini par s'estomper. Et quand on feuillette les pages de la Bible, on s'aperçoit que dans la descendance de Caleb, il y a un personnage un peu étrange du nom de Nabal, mari d'Abigaï. Et Nabal est loin d'être animé de la même foi que son aïeul. Il est loin de cette foi vaillante et pleine d'énergie. En fait, Nabal, il ne pense qu'à lui. Il n'a aucune vision pour les choses de Dieu et il n'a pas voulu donner de nourriture à David, vous vous en souvenez, et à son armée alors qu'ils étaient dans le besoin. Une seule chose comptait pour Nabal, sa petite personne et ses propres intérêts. Voyez-vous, quand notre détermination pour les choses de Dieu s'estompe dans notre vie, eh bien de Caleb, on finit par devenir Nabal. D'une vision féconde, bénissante, large, pleine de zèle et de foi à l'image de Caleb, on tombe alors dans le repli, dans l'incrédulité, dans la pauvreté spirituelle à l'image de Nabal. Mes amis, je pense que c'est utile de rappeler ceci pour chacun de nous. Soyons toujours autant déterminés pour les choses de Dieu que Caleb l'a été, que Josué ou d'autres personnages. Soyons déterminés à ne pas pécher comme Joseph face aux avances de la femme de Potiphar. Soyons déterminés à vaincre les géants comme Goliath, comme David, pardon, face à Goliath. Soyons déterminés à vivre encore plus pour Jésus, comme l'apôtre Paul qui dira « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Soyons déterminés à lire la parole de Dieu comme Esdras, comme Timothée. Soyons aussi déterminés à prier comme le prophète Daniel ou à louer comme David, à aimer l'Église comme les apôtres et à chercher les perdus comme Jésus. En un mot, soyons déterminés jusqu'au bout, à 85 ans, 90, 95 ou plus, soyons déterminés, à l'image de Caleb, à suivre le divin roi, même si tout l'enfer s'opposait à nous. La foi de Caleb était une foi déterminée du début à la fin. C'est vrai que, je peux ouvrir une petite parenthèse, parfois notre foi est vacillante. Il y a des combats, c'est le combat de la foi. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais je suis persuadé que pour chacun d'entre nous ce matin, même si notre foi a été mise en difficulté en raison de bien des circonstances défavorables, nous sommes encore fondés sur la foi en Jésus et sur la foi qui repose sur la parole de Dieu. Alléluia. Nous tenons bon. Amen, amen. Et nous voulons dire comme Caleb, « Donne-moi cette montagne. Elle est aussi pour moi, Seigneur. Je veux aussi exercer ma foi et croire que la bénédiction, elle n'était pas que pour autrefois, elle est encore pour moi aujourd'hui, quelles que soient les années passées avec toi. » Maintenant, la deuxième remarque que je voudrais faire est celle-ci. Comment se fait-il que Caleb
dû conquérir Hébron, alors que le livre de Josué nous informe le fait que Hébron avait déjà été conquise par Josué et son armée auparavant. On va lire ensemble dans Josué 10, versets 36 à 37, pour souligner ce fait. Josué 10, versets 36 à 37. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent, tiens donc, et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Églon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Donc le texte est clair, Hébron a déjà été conquise auparavant par Josué et son armée. Alors, pourquoi fallait-il à nouveau reconquérir la ville? C'est la question qui se pose. Et la réponse me semble simple, parce que le peuple d'Israël n'avait pas occupé fermement, solidement le territoire. Et du coup, les Cananéens, progressivement, s'y sont réinstallés, et parmi eux, les Anakim, les géants. Ce qui m'amène à dire ceci, c'est que remporter une victoire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut la garder. Et comment la garder? En occupant solidement, fermement le territoire. Certainement que nous avons remporté, vous et moi, des victoires sur des traits de caractère, sur tel et tel péché, sur un mauvais pli, une mauvaise habitude, et puis on a peut-être considéré cette victoire comme étant définitivement acquise. Et puis l'on s'est quelque peu relâché dans la vigilance à tel point que progressivement, comme les habitants de Canaan, eh bien progressivement les mauvais penchants ont fini par reprendre leurs droits. On n'a donc pas laissé Jésus occuper fermement le territoire. Et ainsi, les habitants de la région d'Hébron ont regagné du terrain. Alors, mes amis, à l'image de Caleb, nous devons parfois reconquérir des places fortes que nous n'avons pas su garder. Alléluia. Que Dieu nous soit en aide. Que Dieu nous soit en aide, les uns et les autres, afin que nous puissions garder nos victoires. Et si celles-ci, finalement, sont moins évidentes aujourd'hui, peut-être que c'est parce qu'on s'est quelque peu relâché, on a besoin de reconquérir des places fortes. Alors Seigneur, donne-nous cette montagne. Quelle est la montagne que vous devez reconquérir? Peut-être est-ce dans votre foyer, vous aviez remporté de belles victoires, une entente extraordinaire, radieuse, s'était installée entre vous. Dans le couple, avec les enfants. Et puis, au fur et à mesure, d'autres choses ont surgi, beaucoup plus délicates, à tel point que des tensions sont présentes. C'est difficile. Il faut reconquérir cette place au nom du Seigneur et dire à Jésus, « Donne-moi cette montagne, Seigneur. » Alléluia. Peut-être que nous avons remporté bien des victoires aussi dans le domaine de la piété personnelle, de la piété familiale. On avait mis des choses en place et puis le rythme venant pour toutes sortes de choses, et on s'est relâché. Et c'est à nouveau une montagne qu'il faut reconquérir. Donne-moi cette montagne. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Il est possible aussi que, sans s'en rendre compte, le poste de télé est constamment allumé à la maison. Le soir, le matin, le midi, alors qu'auparavant, pendant bien des moments, vous étiez devant votre Bible, vous intercédiez, vous avez même mis en place des temps de jeûne, et puis là encore, vous vous êtes relâché. Et puis, les habitants
d'Hébron, les Cananéens ont repris leurs droits. Alors c'est une montagne à reconquérir. Examinons ensemble trois Hébrons à reconquérir. Premièrement, peut-être avons-nous à reconquérir l'enthousiasme de laisser le Seigneur toujours nous transformer. Lorsque nous nous sommes convertis, nous sommes entrés dans un processus de transformation. Et quel bonheur quand ceux qui nous entouraient pouvaient dire « Mais comme tu as changé !» Ça fait plaisir d'entendre ça. Autrefois, tu réagissais comme ça, autrefois tu pensais comme ça, tu faisais ainsi, mais il y a eu un changement en toi. Béni soit Dieu, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération. Mais il est possible, sans que peut-être même nous nous en soyons rendus compte, qu'avec le temps, il y a eu comme une forme de stagnation. Et on s'est accoutumé à certaines choses, à certains traits de notre identité, de notre personnalité. On l'a fait avec, à tel point même qu'on s'est dit, eh ben, de toute façon, je suis comme ça. Et rien n'y changera jusqu'à ma mort. On pourra même dire à notre femme, écoute, tu ne me changeras pas, je suis comme ça, tu me prends comme je suis, et vice-versa d'ailleurs. Le mari peut dire ça à son épouse, l'épouse peut dire ça à son mari, les parents aux enfants, etc. Et même entre nous. Il n'y a même plus la pensée d'une transformation possible. Et c'est comme ça que des tensions naissent. Alors qu'on y croyait au moment de notre conversion, alors que nous avons véritablement changé, pourquoi Dieu aurait-il arrêté cette œuvre de transformation des années après ? C'est toujours possible d'expérimenter la transformation en Jésus-Christ. Il nous transforme de gloire en gloire à son image. Et même si l'on est un homme de l'âge de Caleb, on a le droit de changer encore. On a le droit d'être transformé encore. Béni soit Dieu. Je peux dire que j'ai été témoin personnellement de transformation chez des bien-aimés, de transformations remarquables tout au cours de leur cheminement avec Jésus. Et je me souviens notamment d'une personne, pas qu'elle, mais en moins une, où il y avait certains aspects très rugueux chez elle. Et je me disais, oh, c'est difficile. Et son mari pouvait me dire, oh, frère, c'est pas facile. Et puis, il n'avait pas tout à fait tort. C'est pas facile. Il y a eu un combat. Il y croyait. Comme s'il disait, comme Caleb, donne-moi cette montagne. Seigneur, accorde-moi cet exaucement. Et il intercédait pour son épouse, il intercédait pour son épouse. Les années ont passé, ça n'a pas toujours été facile. Les relations n'ont pas toujours été simples. Et tout dernièrement, nous avons eu la joie de les retrouver, de partager un repas avec eux. Et je peux vous dire, j'étais ému parce que franchement, cette personne a vécu une transformation absolument remarquable. Vous allez me dire, mais comment cela se fait-il qu'elle n'a pas expérimenté cette transformation au moment de sa conversion ? Mais vous savez, c'est toute une vie. La transformation, c'est toute une vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification aussi. Parvenir à la ressemblance de Jésus. Et si vous désespérez de vous-même, si vous désespérez de votre conjoint ou de votre enfant ou de tel frère ou même de votre pasteur, ayez confiance. Dieu est toujours capable de transformer. Alléluia. Ne désespérons pas. Il est puissant pour le faire. Béni soit Dieu. Et c'est vrai que, repensant à cette personne dont je viens de vous parler, elle avait fait une magnifique conversion, une authentique conversion. Et elle aimait franchement le Seigneur, la parole de Dieu. Il n'y avait pas plus fidèle dans la maison de Dieu. Et une femme qui se tenait devant le Seigneur. Mais il y avait toujours ces choses en elle qui n'avaient pas encore été éradiquées complètement et des problèmes au niveau du caractère. Mes amis, comme disait notre frère Michael dimanche dernier, la main du divin potier passait par là. Et franchement, je ne la reconnais plus tellement la transformation est puissante. Alors qu'aujourd'hui, elle a un certain âge. Je me dis, gloire à Dieu. La vie chrétienne est enthousiasmante. On pourrait se dire, on a vécu nos meilleurs moments
au début de notre conversion, quand on avait peut-être 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais j'ai envie de vous dire, même 40 ans après, comme Caleb, on peut vivre encore tellement de choses exceptionnelles, tellement de choses glorieuses autour de nous, pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, mais aussi à titre personnel, et ressembler, et toujours ressembler davantage à Jésus. C'est pourquoi, disons, comme l'homme de Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et change mon cœur. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu. Donne-moi cette montagne. Il y a un Hébron à reconquérir. Laissons le Seigneur continuellement nous transformer. Ne désespérons ni de nous-mêmes, ni des autres, mais comptons sur la puissance du Saint-Esprit qui peut tout. Un deuxième Hébron à reconquérir, c'est celui peut-être d'une confiance sereine et inaltérable. N'avons-nous pas besoin d'expérimenter cela régulièrement ? Et vous avez remarqué que bien souvent, les circonstances de la vie font que parfois le stress monte. Même si nous aimons Jésus, mais maintenir la paix dans le cœur n'est pas toujours aisé. Et nous avons besoin de reconquérir parfois cette montagne et de dire « Seigneur, quelles que soient les circonstances, je suis dans le repos de Dieu. » Alléluia. Je suis dans le repos de Dieu. Est-ce que cette confiance est en panne chez quelqu'un au milieu de nous ? L'ennemi aurait-il repris pied dans votre façon de raisonner, à tel point que les anakims du désespoir, les anakims de la peur, du découragement ont regagné du terrain ? Oui, Seigneur, donne-moi cette montagne. Je veux reconquérir en toi la confiance, la paix inaltérable, la sérénité dont j'ai besoin. Notamment quand rien ne semble bouger. Ou encore que l'on ne comprend plus rien, ou que nous ne maîtrisions plus rien, ou quand les choses sont à l'encontre de ce que nous espérions. Que va nous dire le Seigneur ? Va-t-il nous dire panique ? Déchaîne-toi ? Fais bouger les choses. Dieu va dire, reste tranquille. Ce n'est pas ton combat, c'est le mien. Empresse-toi d'entrer dans mon repos. Sois dans la sérénité. Et quel bonheur d'expérimenter cela. Mais il faut l'expérimenter. Et ce n'est pas parce que nous avons été baptisés, que nous aimons Jésus, que nous participons régulièrement à nos réunions, qu'on est dans cette dimension de sérénité qui plaît au ciel. Eh bien, Seigneur, donne-moi de reconquérir, si besoin, cette montagne. La Bible ne dit-elle pas, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Gloire à Dieu. Et puis, troisième Hébron à reconquérir, la joie et le contentement. Si je vous dis ceci, si je faisais un sondage ce matin, je pense que beaucoup de mains se lèveraient, moi le premier. N'avez-vous jamais été déçu ? Je pense que oui. Parce que dans la Bible, bien des personnages bibliques ont été déçus. Jérémie a été déçu de Dieu. Tout prophète qu'il était. Mais il y a eu un moment dans sa vie où, au bout du rouleau, il dit au Seigneur, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Jérémie 15, verset 18. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir ? Serais-tu pour moi comme une source de déception, comme une eau dont on n'est pas sûr ? En fait, il dit, Seigneur, je suis déçu de toi. Je suis déçu de toi. Que penser de Marie et de Marthe alors que leur frère est mort ? Elles font appel à Jésus pour que celui-ci les secoure, intervienne miraculeusement. Et le texte biblique nous dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 11 que donc après avoir reçu ces informations, Jésus resta encore 2 jours dans le lieu où il était. On aurait pu s'imaginer qu'après avoir eu l'information du décès de son ami Lazare,
Jésus laisse toutes ses occupations de côté et dise « Je vais le secourir instantanément ». Mais non, c'est l'école du désappointement, l'école de la déception que nous devons gérer par la grâce de Dieu en demeurant dans la joie et dans le contentement tout autant que dans la reconnaissance. Je pense aussi à Moïse. N'a-t-il pas été déçu alors qu'il est missionné par l'Éternel auprès de Pharaon pour dire « Laisse aller mon peuple ». Et fort de cela, il se rend devant Pharaon. « Laisse aller mon peuple, Pharaon, c'est l'Éternel qui te le dit ». Il aurait pu s'attendre à une réponse comme « Ah bon, c'est le Seigneur qui le dit ? Alors oui, vas-y Moïse, laisse aller ton peuple, oui effectivement, vas-y, partez, quittez l'Égypte ». Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et le sort d'Israël a été absolument incroyable par la suite. Il a fallu redoubler d'efforts. Nous connaissons le texte. Et là, Moïse a dû être particulièrement affecté dans son cœur. Que dire de Paul ? Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Que dire de Jacob ? Alors qu'il s'attendait à voir Rachel, voit Léa. Et on pourrait multiplier les exemples de ces hommes, de ces femmes qui ont été, au cours de leur vie, déçus. Mes amis, on peut vivre avec cette déception en permanence. On nous a fait un mauvais coup, on nous a mal parlé, le Seigneur n'a pas exaucé, etc., etc. Et nous pourrions nous positionner, vous et moi, en victimes, malheureux, toujours dans les plaintes, toujours dans les murmures. Et ce serait une manière pour nous de ne pas gérer nos déceptions. Des déceptions, nous en avons eues. Et nous en aurons encore. Mais Dieu est là. Dieu est au contrôle. Dieu est aux commandes. Et il nous dit, gère ta déception. Trouve ta joie. Expérimente le contentement en moi. Tu n'es pas plus malheureux que les autres. Je suis là. Je suis ton Dieu. Alors s'il y a une montagne à reconquérir, c'est peut-être celle-là. La montagne de la satisfaction intérieure, de la joie, quel que soit notre sort, ce n'est pas toujours évident. Je pense à nos bien-aimés qui sont encore peut-être célibataires et qui espèrent se marier. Et on est avec vous, bien-aimés. Et on comprend aussi ce que vous pouvez vivre. Mais vous pourriez être dans l'aigreur, dans une telle déception que vous ne pouvez plus tenir. Et puis vous finirez peut-être par abandonner les bancs de l'Église comme certains l'ont fait. Eh bien non. Et je suis heureux que vous soyez là. Je suis heureux que vous teniez bon et que vous ayez même un tel témoignage. Je rends hommage à cela parce que ce n'est pas facile. Mais vous vivez ce contentement en Christ. Il y a du combat, il y a des hauts, il y a des bas. Mais vous êtes là et vous ne décrochez pas. Dieu vous fera grâce, d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu vous fera grâce. Alléluia. Et tant d'autres exemples que nous pourrions donner, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont perdu la santé, tant d'autres choses encore, ceux qui ont vu un de leurs enfants abandonner les rangs de l'Église et qui sont dans le monde aujourd'hui. Alors ça, c'est dur, ça nous accable, et pourtant vous êtes là, vous avez loué Dieu ce matin. Vous avez béni le Seigneur dans votre cœur. Sinon, vous ne seriez pas venu, parce que vous aimez Jésus. Et il y a comme une parole de Dieu pour vous ce matin. Il faut reconquérir une montagne, celle de la joie, celle de la reconnaissance, celle du contentement. Ne vous laissez pas aller, ne laissez pas le diable vous insinuer toutes sortes de choses, comme si Dieu ne pouvait plus intervenir, changer les circonstances et opérer un miracle en votre faveur. Donne-moi cette montagne. Ayez cette foi, ayons, je me mets avec vous bien entendu, cette foi de Caleb. Béni soit le Seigneur. Caleb, donc, je conclus, n'avait pas perdu sa détermination du départ, plus de 40 ans après. Caleb a dû reconquérir la ville d'Hébron parce que le peuple d'Israël n'avait pas occupé solidement le territoire. Reconquérons l'enthousiasme de laisser toujours le Seigneur nous transformer. Reconquérons une confiance sereine et inaltérable
en Jésus et en ses promesses et reconquérons la joie et le contentement, quelles que soient les circonstances. Et honorons ainsi de tout notre cœur le Seigneur, parce que tout est en lui. Il peut tout, il comprend, alléluia. Persévérons, allons jusqu'au bout. Et puissions-nous, à l'âge de 85 ans, continuer de dire, à l'image de Caleb, « Donne-moi cette montagne ». Merci au Seigneur pour les aînés qui tiennent bon, qui sont pour nous des exemples, alléluia, pour tous les convertis de longue date qui sont animés du même esprit que Caleb, qui ont la vision du royaume, qui font avancer les choses, qui ne reculent devant aucun défi et qui proclament la victoire des promesses de Dieu. Alléluia. Josué, Caleb, étaient animés d'un autre esprit que les autres. Les autres ont fait du surplace pendant 40 ans dans les déserts. Josué et Caleb ont pu voir les promesses de Dieu se concrétiser parce qu'ils avaient cette foi énergique, cette foi vaillante, hardie dans les promesses que l'Éternel avait faites. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci notre Père pour ces moments de réflexion devant toi. Seigneur, chacun pour notre part, nous avons une montagne sans doute à reconquérir. Et nous te prions de nous donner de l'identifier comme toi tu le veux. Seigneur, trois Hébrons ont été cités, mais il peut y en avoir tellement d'autres. Aide-nous à avoir cette foi de Caleb et à te demander, toi notre divin Josué, donne-moi cette montagne, Seigneur. Même s'il y a des géants, même s'il y a des murailles, même si à nos yeux cela semble impossible, mais toi tu es là, Seigneur, pour nous secourir, nous aider. Et au cours des années, on peut encore faire tellement de belles expériences avec toi. Oh, rien n'est désespéré à tes yeux. Tu es le Dieu vivant et vrai. Nous te louons de tout notre cœur, notre cher Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Je pense qu'après le message que nous avons entendu ce matin, on peut en effet confirmer que nous avons tout pleinement reçu en Jésus. Amen. Et que nous pouvons dire, au-delà du simple chant, mais vraiment le dire comme une prière, Seigneur, eh bien, tu as les paroles de la vie éternelle, tout est en toi. Et vraiment, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen.
nous savons que Jésus vit. Nous avons cru et nous avons connu que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Alors, on arrive au terme de notre rencontre. Alors, il y a tout un protocole à suivre pour la fin de la réunion. C'est Cyril qui va en fait venir vous voir et vous faire sortir au fur et à mesure. C'est ça ? Je ne me trompe pas. Donc, on va terminer avec un dernier chant tous ensemble. Et ensuite, donc, il faudra attendre patiemment qu'on vienne vous demander de pouvoir sortir. Que Jésus vous bénisse. Qu'il vous garde fermement fondé en Jésus, vraiment qu'il puisse vous garder fermement fondé aussi en sa parole, que vous puissiez être bénis pendant cette semaine. Nous prions les uns pour les autres et les uns avec les autres et nous serons heureux de pouvoir nous retrouver, Dieu voulant, dimanche prochain à 10h. Seigneur, la reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, louons d'une main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour. Dieu vous bénisse.